Salut à tous, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Android Desktop. C'est un projet d'environnement basé sur OpenBox et sur Arch Linux. Il y a deux types de personnes qui. Enfin, il y a deux types de comportements quand une personne crée une personnalisation de son environnement. Soit elle dit, bon, je crée une image ISO que je distribue. C'est la première option. Parfois, ça peut mener à des DGLFI de haut vol. L'autre option, c'est je propose un guide ou. Je fais en fonction de la distribution, je vous donne toutes les informations, faites ça, ça, ça et ça, et après vous avez mon environnement. Andrei, la personne derrière l'Andrei Desktop, est passée de la deuxième option. J'ai appris son existence parce que vous savez peut-être, je m'occupe de maintenant d'une version AUR, enfin, développement de PMAC AUR, l'outil de Manjaro. Et puis je suis tombé sur Andrei Desktop. Tiens, je vais sur Andrei Desktop. C'est marqué An open box based environment focused on productivity and speed. Pourquoi pas? Bon. Un environnement basé sur open box pour la productivité et la vitesse. Open box étant léger, je suis d'accord. Donc j'ouvre la page du GitLab. Je tombe sur un beau logo Arch Linux. Je me dis, ah tiens, c'est basé sur Arch. Et là, je vois le. Bon. Android Linux is a fast and practical Linux distribution based on Arch Linux. Bon, Android Linux. Par contre, il a décidé de ne pas proposer d'ISO. C'est simplement un guide qu'il faut suivre. Installation, veuillez suivre install.md. Donc, j'ouvre le install.md. Bon, je m'aperçois qu'il y a pas mal de petites choses. Il faut créer un nouvel utilisateur avec ZSH. Bon, il faut avoir le NTP activé, ce que j'ai fait. System Deboot, je suis assez avec Grub parce que je ne suis pas super fan. Mais par contre, j'ai vu marquer que c'était Linux Zen. Donc, je me suis dit. Je vais respecter au maximum, j'essaie de reproduire cet environnement, en respectant l'utilisation de Linux Zen. Bon, il n'utilise pas KUR, et la donne, donc en gros, ce paquet-là. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais prendre une machine virtuelle avec OpenBox et LXDM, parce que je me suis aperçu dans la liste des paquets qu'il y avait, que je le trouve, parce qu'il y a une sacrée liste de paquets et LXDM, parce qu'il y a quand même 175 dépendances pour le métapaquet. Ce qui est pas si mal que ça. Donc je me suis dit, il demande pas KUR, on va prendre une Arch Linux installée avec Kdeware, un environnement OpenBox minimal, avec XDM, PMA KUR parce qu'il est nécessaire, donc j'ai pris le PMA KUR officiel, je ne me suis pas pris la tête, et OpenBox, bref, l'environnement de base qui conseillait. Je l'ai fait compiler, je peux vous dire que c'était très long parce que c'est Brightside. Celui-là qui demande la recompilation de la moitié de GNOME, 2. Parce qu'il faut GNOME. Alors ça vous fait une demi-douzaine de paquets GNOME à recompiler. C'est une longueur. Ouh. Bref. Donc, j'ai tout fait recompiler. Et maintenant, je vais vous montrer comment on installe le bazar. On est parti. Donc, c'est un noyau Linux Zen. J'espère qu'il ne va pas me faire un crash au démarrage. Oui, je suis par rapport à Linux Zen. Il faut les VirtualBox Guest DKMS parce qu'il n'y a pas les modules précompilés pour le noyau Linux Zen. Voilà. Donc là, j'ai mon XDM de base. Et maintenant, je vais cloner. Je vais ouvrir un externe. Voilà, c'est vraiment le truc de base. Là, c'est vraiment la base de chez base. Après, vous devez broder pour l'ensemble. Je me demande si on peut pas grossir. Tant pis. Alors, on va faire. Git clone https aur.archlinux.org Android Desktop. Ah, je vais que ne fonctionne pas. Android Desktop. J'espère que je n'ai pas fait de mouvement, enfin de faute manquante. Si tout se passe bien. Je vais avoir le. Voilà, c'est cloné. Donc je vais dans Android Desktop. Et si je fais un make packaging-si. Ah! Voilà. Avec le. Ah, ça sera mieux comme ça. Avec le verrouillage numérique activé. Il va me rechercher les dépendances. Et à me dire qu'il en manque. Il manque Adaptable, Background, Albert, ainsi. Il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En gros, il en a manqué une quinzaine. C'est pas un problème.
Parce que dans téléchargement, j'ai récupéré tous les paquets précompilés nécessaires à la compilation au paquet manquant. Donc on fait pacauer -u all.tar.exe. Et là, ça va installer des paquets avec les dépendances. En gros, ça a pris près de 1 heure et demie pour compiler toutes les dépendances. Vous voyez, là je vous fais gagner 1 heure et demie de vidéo. Donc ça, c'est fait. Une fois que c'est terminé, on va créer le paquet Android Desktop. On installera quand même les dépendances optionnelles pour avoir l'environnement complet. Et puis on tweakera deux trois petits trucs. Parce que dans mes essais préliminaires, je me retrouvais la moitié du temps en anglais. BIM ! Salvé. Saleté. Donc ça va, maintenant on va être en Android. Voilà, donc on fait mec pkg-si. Il n'y a plus de dépendance manquante qui était sur AUR, donc automatiquement il va me récupérer les paquets manquants. Pendant qu'il fait ça, on va voir les dépendances optionnelles. Alors, les opt depends. Bon, quoique le plus simple, c'est d'aller dans le view package build. Alors, les dépendances optionnelles. Aston 2, Else Riot, Fortune Mode, GIMP, Inkscape, KeepaSix, LibreOffice Fresh, Play on Linux, RedSock, OK. Donc, je les copierai pour que les dépendances optionnelles soient rajoutées. Là, comme ça, moi, je les aurai sous les yeux. En espérant qu'il n'y ait pas des paquets AUR. Bien sûr, LibreOffice Fresh, je rajouterai le français. Tant qu'à faire, ce sera un vrai mieux. Et on va voir à quoi ça ressemble une fois tout ça terminé. Miam. Donc je suppose que ça ne va pas être très très long. Enfin, croisons les doigts. Thunderbird aussi, il faudra que je rajoute, tiens, traduction de Thunderbird, je les note, mais comme j'aurais payé à Mac, ça sera plus rapide. Thunderbird FR et LibreOffice FR. Donc je pourrais très bien installer des dépendances optionnelles avec PA Mac en post-install, mais je vais le faire avant, ce sera plus pratique. Donc là vous remarquez aussi que je suis obligé d'activer le dépôt lib32. Les multilib parce qu'il y a des dépendances lib32 pour certains logiciels. Bon, je vais quand même bien regarder la liste des paquets avant de préparer la machine virtuelle pour éviter de me retrouver coincé. Donc il nous installe Chromium, pourquoi pas. Les coups et les douleurs après tout, hein. Donc il y a quand même 319 dépendances installées. Waouh! Le bon gros bébé. Pour vous épargner une partie d'installation qui est un peu chiante, il y a deux fichiers à modifier pour éviter qu'on se retrouve complètement en anglais. Un, c'est local.conf qui est modifié, et l'autre, c'est un fichier dans .config openbox. Il faut modifier juste un truc, sinon on se retrouve en anglais. Et c'est un brin casse-bonbon. Mmh. Un brin. Là, par contre, je vais ouvrir une deuxième fenêtre parce que je vais en avoir besoin.
Voilà, donc là, on va dire oui, comme ça. Donc, Android Desktop. Donc, Android Desktop install moins H. Bon, ça recopie l'ensemble, blablabla. Il faut utiliser l'option moins R pour enregistrer les fichiers d'origine. Ça vaut mieux. Donc, moins R, suivi du nom d'utilisateur, donc celui que j'utilise, pour configurer l'ensemble selon les désirs de d'Andrei. La personne qui est derrière. Voilà, donc il génère tout ça. Il y a pas mal de petits trucs qui ont été modifiés, mais là, on va juste modifier deux pour éviter de se retrouver avec de l'anglish. Donc, on va commencer par un petit sudo nano, etc. local.conf. Pas bien! Donc, clac, 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 CTRL K pour supprimer tout ça. FR, FR. Et déjà, on est sûr et certain d'avoir du français. Deuxième, c'est dans .config, Openbox, et ce fichier environnement. Donc, on va faire nano environnement. Et regardez ici la saloperie de petit piège. Ouh, le vilain! Donc, on le met en FR, FR. Et boum, un piège est évité. Ok, donc on va faire maintenant un petit sudo localgen pour régénérer les traductions. Et là, on va installer les paquets manquants. Donc, on a dit sudo, enfin, paquet AUR, pardon, paquet AUR-S, Aceton ISO 2. Apparemment, le silence QT4. Ensuite, Else Riot. On va tenter de mettre des fortunes en anglais. Hein. On va suivre les recommandations. Model len gimp Inkscape. Ensuite, LibreOffice Fresh, Player Linux, donc c'est pour ça qu'il y avait besoin des bibliothèques lib32. D'accord. Dommage. Il fallait que je tombe sur un paquet AUR. Ouais! J'aurais dû vérifier avant. Bon, les fortunes, c'est pas grave, on va essayer le béton. On verra plus tard pour les fortunes. Donc, on va mettre LibreOffice FreshFR directement. FreshFR, Play on Linux, Red Sox, Remina, en espérant que je n'ai pas encore droit à. Ouais, bien Linux, c'est très léger à installer. Bref. Il me restera Synergy, VLC et Zim. Et on redémarrera. Pour les fortunes, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Donc on va passer à quelque chose d'assez, disons-nous, austère, ça. Je me demande quelle sera la gueule du résultat au final. Même si j'ai une petite idée, je pense que le résultat va être intéressant à voir.
Ah oui, il y a Winnie 2.16 aussi, donc c'est pour ça que c'est un brin lourdingue. En tout cas, l'expérience est intéressante à reproduire. Si vous êtes curieux, c'est l'expérience à reproduire. Il faut être curieux aussi. Ou curieuse dans ce domaine, bien sûr. Ne soyons pas sexistes. Donc il ne me reste plus que Synergy, VLC et Vim. Et on pourra redémarrer et j'aurai l'environnement Android Desktop complet. Alors, Red Sox, ouais. Ah, j'ai peut-être fait une erreur. Red Sox, apparemment, il n'est plus trouvé. Non. Donc, Red Sox n'existe plus. Transparent, bon, d'accord. Bon, Red Sox n'existe plus. On va mettre Synergy. Et alors, Synergy, VLC et alors, Synergy, VLC et Vim. J'espère moi qu'il y a. D'accord, voilà. Je fais un petit nettoyage du cache parce qu'il doit être légèrement surchargé. Et on redémarre. Allez. PackAUR moins SCC. Oui. Donc exit. Et maintenant, logout. Et on redémarre. Oh, joli! On va redémarrer. Donc ça, je vais le fermer. J'en ai plus besoin. En tout cas, c'est joli le thème choisi. Espérant que ça reste bien en français. Donc là, on démarre. Espérant que j'ai pas droit à un plantage de notre ami VirtualBox. Canaillou. Il va me faire mentir l'empaffé. Ah, il est vraiment sympa le fond d'écran de démarrage. Donc là, clac. Bon, déjà, c'est en français. Croisons les doigts pour la suite. Je passe en plein écran. Donc, d'accord. Donc le conquis est en anglais apparemment, malheureusement, mais bof, c'est pas super grave. Ok, oui. Donc Albert, c'est un lanceur. Albert Launcher, ok, plugins, d'accord. Général. Ouais. Donc la touche méta, c'est drapeau, donc drapeau plus escape, ça lance Albert, ok. Alors je vais voir maintenant si m'a foutu. Ah, superbe! Donc, ça, on peut le mettre dans la poubelle maintenant, on n'en a plus besoin. J'ai dit à la corbeille. Merci. Alors, là, par contre, je vais modifier un truc parce que j'ai horreur du simple clic. Double clic power. Voilà. Vive le double clic. Je préfère. Donc quand même les paquets tiers que j'étais obligé de compiler, ils demandent 50 mégas. Donc c'est sympa. Bon, c'est du thème flat, mais c'est sympa comme apparence. Je vais voir si on peut mettre. Ah non. Donc je vais voir si on peut mettre l'ensemble en 24 heures pour les heures. Alors, format la date. Général, format de l'heure. Marqueur de notes. Non, j'ai pas trop l'habitude d'Osmo, donc je suis en train de chercher. Format de la date. Avec un lambda, non. Ah,
Apparemment, je ne sais pas comment on fait pour le faire passer. Si vous avez l'info pour le faire passer en format date autrement, je suis preneur. Enfin, format heure. Ok, marqueur de notes, catégorie journalière. Chromium, afficher les codes en notification. Dans les paramètres. Voilà, 24 heures. Non. FRFR. Close. C'est pas grave pour l'heure. Là, on a l'heure en bas aussi. Là, c'est pour tout ce qui est connexion, déconnexion et redémarrage. Parfait. Alors, Sakura, c'est un terminal, tout simplement. Voilà. Donc là, ça fait comme si j'ai 5,6 Go l'ensemble. Alors, donc, on va voir, on va essayer de lancer. Ah d'accord, c'est pas mal ça, c'est pratique. Je tape A par exemple, boum, tous les logiciels à installer. Ah, c'est vraiment pas mal, oui. C'est pratique pour. Donc, je vais lancer par exemple Audacious. Voyons, qu'est-ce que je pourrais lancer maintenant? Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel en B? On va lancer Transmission, par exemple. Je suis d'accord. Voilà. Donc là, comment fonctionne Alt-Tab? Oui, d'accord, c'est tout classique. Meta plus tab exposé, c'est quoi? Ah, d'accord, c'est une présentation à la Mac. D'accord, enfin, à la Mac, je crois, c'est ça. Ok. Donc, réduire ça. Je suppose que. Oui, bien sûr, cette langue, donc on peut mettre comme on a envie. Show desktop. Meta plus T. Ok. Donc c'est sympa, les raccourcis clavier sont assez sympas, oui. 46% de CPU, mémoire vive libre, 1,53 Go sur les deux, ouais. Mode présentation, je vais essayer de mode P, peut-être Meta P. Je sais pas ce que c'est le mode présentation. Donc je vais essayer de lancer Sakura. Oh mais c'est sympa comme présentation. Bon, c'est un peu lourd à mettre en place, mais c'est sympa. J'ai vu aussi qu'il y avait des coins actifs, mais je ne sais pas comment ils se lancent. Je crois que c'est Brightside pour les coins actifs. Par contre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, je vais peut-être rechercher avec coin, peut-être. Mot de passe et clé, UX term. Ah ben je vais voir le réglage du son. C'est sympa, oui. Je ne connaissais pas Albert, c'est sympa, oui. Ça permet vraiment de. Si on veut lancer par exemple LibreOffice Writer. Voilà, LibreOffice Writer. Boom. Après bien sûr, c'est bien pratique d'épingler un programme au doc. Mais sinon, c'est sympa comme présentation. Bon, bien sûr. Je ne sais pas si ça pourrait justifier une ISO, mais la présentation est vraiment sympa. Seul problème, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de paquets en provenance d'AUR. Parce que si on lance PAMAC, ajout suppression de programme, pardon, voilà, ajouter ou supprimer de logiciel. Si on regarde dans les préférences, options, ah, ça va. Allez, zut. J'ai pas trop l'habitude de cette présentation, donc je tiens à m'excuser des oups. Préférences. Donc voilà. Alors AUR, c'est bon, c'est activé. Le cache, on va le nettoyer. Parce que les paquets AUR, il y a quand même un sacré paquet, hein, je dirais. Pardon. État. Étranger, il y en a un sacré paquet. Il y en a un.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça c'est Patch Mirror, ça n'a pas besoin, autant pour moi. Ça, ces deux-là, c'est préinstallé avec... avec Arcaniwa, donc on les sort. Mais sinon, on a bien une quinzaine de paquets à UR, je dirais. Mais ça va savoir hein, combien on en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 paquets à UR. Ça, c'est dommage par contre. C'est ça qui vraiment fait le point faible de son environnement, et c'est qu'il dépend beaucoup de paquets à UR. Ah oui, je voulais regarder pour Red Sox. Red. Ah non, Red Sox n'existe plus. Mis à part, bon. Au moins, l'auteur a eu la bonne idée de dire, je ne fais pas d'ISO. Parce que il s'était peut-être aperçu que ce n'était pas la peine de produire une ISO avec... parce qu'il n'avait pas envie, peut-être qu'il ne savait pas produire une ISO. Il s'est dit, de plus simple, je vais créer un guide que tout le monde peut suivre. Le seul point faible de l'ensemble, c'est le nombre important de paquets à UR. C'est la critique que je ferai. Il y a un peu trop de paquets à UR. Le thème est sympa. C'est relativement utilisable. Donc là, c'est tout ce que... Ouais, ça c'est sympa aussi, tiens. Mais sinon... Par contre, je ne sais pas si les emplacements réseau... préférence. Affichage. Agencement. Voilà, c'est mieux. Donc les emplacements réseau, je suppose ça va fonctionner. Bingo. Donc c'est vrai que le thème est pas mal, le thème d'icône est pas mal. Le conquis n'est pas surchargé déjà. Donc déjà c'est un très bon point. C'est vrai qu'il est un peu chiant à mettre en route. Mais sinon, c'est pas mal quoi. Donc là, je vais vider la corbeille. Mais bon, je vais conclure parce que je vais essayer de conclure assez rapidement. Donc, c'est vrai que là, comme je disais, l'auteur a une bonne idée, c'est de ne pas proposer d'ISO. Peut-être qu'il n'avait pas les connaissances, qu'il n'avait pas envie de se faire chier à proposer une ISO. Il a dit, le plus simple, je propose un guide que les personnes vont suivre. Ça évite comme ça de produire une ISO, de bouffer la bande passante, de perdre du temps à générer l'ISO, de... C'est peut-être encore le plus simple. Là, c'est ce que j'apprécie, c'est que l'auteur a été responsable. Il a dit, je propose mon environnement. Maintenant, à vous de le suivre ou pas. Je ne propose pas d'ISO. Si vous voulez le reproduire, reproduisez-le vous-même. C'est très pédagogique et j'avoue que j'ai bien aimé suivre le guide. Est-ce que j'utiliserai après un truc de ce style? Peut-être pas. Mais j'avoue qu'avoir tenté l'expérience, ça m'a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la fin un peu brouillonne et pour le côté j'ai des points, j'ai de la rougeole à cause du rideau et du soleil qui est un peu bas. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!